Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et avec toi, Émilie, tu vas demander justement quelques conseils à notre invité Alexis Michalik. Oui, alors tout d'abord, je tiens à dire que je suis très heureuse de vous avoir en face de moi. Je trouve que vous avez énormément de talent, vraiment. Et je suis contente parce qu'on se ressemble beaucoup. Il se trouve que moi aussi, j'ai énormément de talent. Si, je vous jure, c'est vrai, tout le monde me le dit. Enfin, surtout ma mère. Et hormis ce talent que nous avons en commun, vous adorez Alexandre Dumas. Et c'est marrant parce que moi aussi... Surtout les trois mousquetaires, je pourrais y passer des heures, c'est hyper reposant et en plus ils font de super chocolat chaud. Non sérieux, j'adore ce café. Mais trop Alexandre Dumas, j'aimerais trop y vivre quoi. Et quand j'ai su que vous alliez être notre invité, j'étais hyper contente parce que mon rêve serait de jouer dans une de vos pièces. Et comme je sais que c'est hyper difficile de décrocher un casting avec vous, j'ai réfléchi. Oui, ça m'arrive de réfléchir. Et là, bim, illumination. Il fallait que je trouve comment m'incruster dans une de vos pièces. Alors, j'ai carrément les compétences pour jouer dans Le Porteur d'Histoire. Bah déjà parce que je sais hyper bien porter. Ok, on dirait pas comme ça, mais niveau portage, je suis au top. Je fais les déménagements de tous mes potes. J'ai même réussi à porter toute seule l'armoire bretonne d'un pote jusqu'au 5e. Bon ok, Mokhtar m'a peut-être un peu aidé, mais juste un peu quoi. Et puis dans la pièce, les comédiens se changent hyper souvent. Mais moi, je les tue tous. Je veux dire, quand je réussis à choper un rancard sur Tinder, je suis capable de changer 60 fois de robe en moins d'un quart d'heure, chaussures et coiffure inclus. Je pourrais aussi jouer dans le cercle des illusionnistes. Hein. La sœur de ma meilleure pote qui joue dedans, Maud Becker, que j'aime beaucoup. Enfin, vite fait, parce que quand même, je veux prendre sa place. Du coup, je me suis teinte en blonde, comme elle. Enfin, moi, ça fait plutôt jeune pipi. Mais bon, c'est mieux que rien. Et comme je sais où elle habite, ma panda et moi comptons accidentellement l'écraser par accident. Mais non, je rigole, je l'aime beaucoup trop pour lui faire ça à ma panda, déjà qu'elle a du mal à démarrer. Et mon dernier recours, si vraiment il n'y a aucune autre alternative, serait de coucher avec vous. Bon, après, mon problème, c'est que je n'aime que les renois et les rebeux. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai la solution, pas de panique. Je vous ai pris un abonnement illimité au Point Soleil. Normalement, à hauteur de 5-6 séances par semaine, vous devriez être prêt pour dans un mois. Ah oui, et je vous ai inscrit à des cours de Ragan & Solo si vous commencez demain. Non, ne me remerciez pas, ça me fait plaisir. Du coup, on fait comment? Vous préférez quoi? Que je vous file un coup de main pour votre spectacle ou vos meubles? Que Maud passe 3 semaines en réa? Ou qu'on couche ensemble, enfin, dans un mois quand vous serez cuit, prêt? Alexis Michalik, que me conseillez-vous? Alors Alexis, quelques petits conseils à Émilie. Très bien. Non, j'aime beaucoup Maud, donc effectivement, on peut essayer de pas la casser tout de suite. Non, moi aussi, je l'adore. Je tiens à préciser que je l'ai appelée quand même pour lui demander si dans la chronique, je pouvais l'écraser. Non, bien sûr, porter des meubles, c'est très intéressant. Il faut savoir que je suis moi-même expert en déménagement. C'est vrai? Absolument. Ouais, on fait énormément de déménagements et je pense que c'est comme ça qu'est venue l'idée du titre. Okay. Donc, on peut peut-être commencer par se faire quelques déménagements ensemble. Je peux faire la régie, je peux tout faire. Voilà, tout à fait. Puis après, si ça marche, on verra pour le spectacle. Quoi. Et bah, super. Ah. Est-ce que des conseils qui t'ont convaincu, Émilie? Alors. Comment ça? Moi? Bah oui. Hein? Ah mais ouais, mais je suis hyper contente de faire le déménagement pour Alice Michel. Non mais sans déconner, même passer le balai, je le fais. C'est ça, il y a une audition pour mon déménagement qui ouvre la semaine prochaine. Radio VL.